Quand les Navajos migrèrent dans le sud-ouest des États-Unis au cours du XIVe siècle, ils s'installèrent près des villages pueblos où les tribus locales pratiquaient depuis longtemps le tissage du coton sur des métiers à tisser verticaux. Les premiers tissages navajos ressemblaient au tissage pueblo. Vers le milieu du XVIIe siècle, les Navajos tissaient des couvertures décoratives pour se vêtir et pour la literie. Ils eurent vite fait d'élargir le répertoire des motifs pueblos et d'utiliser aussi la laine des moutons importée d'Espagne et la teinture à l'indigo en provenance du Mexique. Au XVIIIe et XIXe siècle, les pueblos voisins et autres indiens se fournissaient couramment en tissu navajo. Victimes de l'usure, beaucoup de textiles à fonction utilitaire comme les couvertures, les tapis et les vêtements ont disparu. Il n'en fut pas de même des textiles à fonction ornementale. La mode s'instaura à la fin du XIXe siècle de collectionner les couvertures navajo. Depuis ce temps, les tisseurs navajo fabriquèrent de moins en moins de vêtements et ils tissèrent désormais pour répondre à la demande des collectionneurs. Aujourd'hui, nous pouvons admirer la variété des coloris et des formes de couvertures et de tapis navajos.